Y'a personne. Assieds-toi vite fait. Qui c'est qui va se charger? Et bienvenue dans la life de l'Action Marseille. Aujourd'hui, on va voir Michael Jordan. Presque, presque. Presque. Non, moi je propose qu'on balance l'intro et on arrive juste après. Enfin, qui vient nous chercher sur le Aujourd'hui, on va voir les plus gros fake natchi de toute l'histoire du fit game de l'humanité. Bon, là, on va les chercher à l'aéroport parce qu'ils viennent de Lille. Je suis en béni. Les cheveux, ils ont poussé. Ouais. Il est beau, il est mignon. Ouais, il est mignon. On a pas été comme ça dans le Nord. Avec des survêtements bien moulants. Est-ce que ça t'intéresse potentiellement? Je vois, il y a ça dans les portières, mon frérot. Ah ouais, non, il est dangereux. De toute façon, c'est pas moi. Il s'est dédouané. Je suis en Ah, il s'est dédouané direct. Il a arrêté depuis qu'il a arrêté, ça doit être une dinguerie dans son slip. Il doit avoir envie d'étrangler petit Mikey tous les jours. Ça fait 10 ans, j'en ai pas vu, mais ça fait 10 ans, de mariage. Ah ouais? Je te jure. Moi, je suis un puceau, moi, les gars. Oh, le menteur. À l'étape où je teste, j'essaye, tu as vu 2 mètres dessus. Mais t'es menteur. C'est fini cette période. 200 000 abonnés sur YouTube. Ça marche avec les meufs ou pas? Oui. Oui. Justement, c'est quoi le but? Attends. Ah ouais, ouais, justement, les gars, on vous justement, a pas dit. On vous a pas dit. Là, vous avez peut-être déjà entendu des dingueries. Notre but, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur In Mike et I'm Tarzan, ils sont partis choper Nassim Sali et tous les grands du fitness. Nous, là, on va essayer de faire les homosexuels. C'est pas méchant, hein, c'est, faut pas y prendre mal. On a les été gens, vite, on a dit une dinguerie là. Attends, soyez prêts. Là aujourd'hui, vous êtes prêts. Hein. C'est de faire les homosexuels. Voilà. Là, c'est un grand mot. Oh là 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 là. C'est pour rigoler, c'est bon. Donc Mikey, c'est le plus beau. Mikey, c'est le plus fort. Mikey, on va le toucher, on va le caresser. Mikey est excitant. Et on va voir comment il va réagir. Il y a un OFAP, à tout moment, il craque. Hein, je te le dis. On a déjà retrouvé des capotes dans sa voiture. Ça commence mal. Pour nous, les gars. Il y a trop de muscles dans cette voiture d'un coup là. Soit la voiture elle a flanché. Bon. Ça y est, hein. on va faire du deux roues là. Beaucoup là il y a du 400 kg facile. Ça va bien tourner, vas-y. Dis un petit mot à la caméra. Attendez, que le meilleur gagne. Ça va se passer quoi là? Ça va passer que d'un côté, Brutus, le collègue là, comment tu t'appelles? Pimous. Pimous. Pimous et Didjo. Pimous, Didjo et Brutus, c'est moi qui vais les battre, rien à dire. Ça va bien ma tête? Vraiment mon crâne, Pimous par hasard. Zombie, zombie. T'as bien allumé le micro, Julien? Je sais pas, mais. Allumé, c'est bleu. Ouais, il s'est allumé bleu. Ah, t'as vu, c'est beau caméraman, il est beau. Et le câble, il est branché. T'inquiète, bon, allez, on va commencer par les corps. Tu veux commencer chaque fois? Bon, ça y est, je suis chaud. Hein. En vrai, même si un coup de comme toi. On monte doucement en poids sur la barre. Bon. Tu passes à... Bon, on attend que ce même autorisation d'en faire aussi un peu des développés, on va voir. Bon les gars, on est bien arrivé au restaurant avec Solid Mike et Pimous. On va manger comme des porcs, menu à volonté. Je mange un gros jaune à comme dessert. Le dessert, ça va être le gros couteau. Ça pique. Round numéro 2. Deuxième round. On va voir si Mike y suit. Il arrive, il est en train de se mettre au menu. Joanne, il y a ton dessert juste derrière. C'est qui mon dessert? Il est juste derrière. Quoi? C'est plein de deuxième, c'est bon pour la texture.
ça, il va être propre. Regarde, c'est qui est propre. Ça, pour moi, c'est un repas normal. Massif et sec. C'est bizarre. Bizarre. C'est bizarre. Je t'ai juste changé ton vidéo. Montre un peu la bête. Comment on achète, ça marche pas. Moi, c'est FM. Hein, oh, tu vas aller en enfer, toi. Tu peux serrer la main à lui là-bas. Là. Après le gros cheat qu'on a fait avec Solid Mike, les gars. Mais là, c'est l'heure des bébés. Pimous, c'est chaud. C'est ma meilleure story. On fait un mini-nous. Depuis tout à l'heure, c'est ma meilleure story. Les gars, venez sur Instagram. Des fois, il y a des dingueries. Pimous, je sais pas comment je vais te faire là. Il veut absolument que je dorme avec lui. Parce qu'il a peur de dormir tout seul quand on prend des Airbnb comme ça. Mais à tout moment, je vais là-bas si je vois qu'il commence à se rapprocher dans la nuit. Avec son ronflement de facochère. Fais un petit peu, toi. Ah ouais. Fais quoi, frère, un petit peu. T'es vraiment un gay. Ils vont liker elle pour ça. T'es un gay, c'est une dinguerie. Donc après ça, tu veux toujours dormir avec moi? T'es un gros gay, frère. Je veux pas. À chaque fois, je lui dis on fait une nuit chacun dans le lit. Il veut pas. Il veut dormir avec moi. Bah, tu vas assumer. Bon, les gars, j'ai quand même dormi là. Il rouvre trop, lui. Et là, le problème, c'est qu'on est en retard. 9h20, on rentre à 10h avec ce mec. Ouais, voilà, du mal. Pimous, on a 30 minutes. Ah, il fait plus le fauteuil. Stop, il fait dormir. Je lui dis, le réveil n'a pas sonné, on arrive en retard. Il a dit, ça c'est Didio. Il a raison. Quoi, il a raison? Parce que je lui ai dit que tu voulais, quand tu dormais, tu disais, ah, il le sait. Bah ouais, mais là, c'est, j'étais réveillé avant toi aujourd'hui. Quoi, non, j'étais pas réveillé avant toi. C'est ta faute, voilà. Pourquoi c'est ma faute? Parce que c'est ta faute. Tu sais très bien que j'étais réveillé avant toi. Voilà que c'est ta faute. J'étais réveillé avant toi. C'est vraiment ta faute. Et les gars, j'ai gardé la même tenue parce qu'on a des scènes à refaire de la vidéo d'hier. Donc pourquoi tu ne feras pas? Oui, je suis accrapé. Il y a la clame derrière si tu veux leur dire que c'est ta faute que tu es en retard. Je parle pas avec toi parce que c'est à cause de toi qu'on est en retard. On met des stories dans ton cul, voilà. Hein? Fatigué. Contre son terrain. Aujourd'hui, il n'y a pas de sport. J'y vais me reposer. Aujourd'hui, il n'y a pas de sport, je vais bien me reposer. Et ta mission quand même, vlog et Insta. Ouais, moi. C'est de pas faire de sport, ça va être que j'étais tranquille. Là, t'en as magnifique aujourd'hui. Et là, j'ai mal, mais quand je te dis partout, t'imagines. J'ai vraiment mal. Bon, si vous avez des vidéos, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, si vous en avez pas, c'est grâce à lui aussi. On va voir ça. Aïe, aïe, aïe. Regarde, il s'est confié le micro-track. Oh la massue. Et il a fait sa séance maintenant, il savait qu'il nous recevait. C'est une massue. Il s'est dit, moi les gars, faut pas les 20 degrés ici. Il veut qu'on le voit congestionné tout le temps. Il est énorme. Ah, je fais les cuisses en plus, je suis tout maigre en haut là. C'est un menteur, c'est un menteur. Il a fait des pompes, il a fait des pompes. Ouais, il a un joli fessier. Quand je fais les cuisses, je congestionne au pec. Il y a un problème. On peut toucher le fessier. Il y a le mollet. Ça t'excite si on touche ou pas? Et il est dur. Comment il est dur. C'est quoi ce bordel? Ils aiment bien quand on touche des hommes. Ils vont voir que ça nos abonnés. Ça fait un placard, gros, regarde. C'est abusé, c'est quoi ça? Il a chopé le boobs. C'est n'importe quoi. C'est en fait l'effet quand vous faites lécher les tétons? Quand je te touche, ça m'en fait en tout cas. Ah ouais? Ouais, ouais. J'avais fait ça. Moi, ça me fait pas d'effet. Moi, ça me fait bien kiffer, hein. Ça me fait aucun effet. La nouvelle détection antidopage, si quelqu'un tu lui touches les tétons, ça lui fait de l'effet, c'est que c'est devenu une zone érogène. Mais si c'est que toi que ça fait ça, ça m'excite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'aimes. Embrasse-moi. Tout le monde va se faire, dans le salon, on va se faire. Vraiment, ouais, voilà, n'hésitez pas à abuser. Et on va à la télé dans 2-3 ans, je vous le dis. Non, bah non, bah non. Non. Bon, vas-y, ça va. On fait les torsions aussi. On fait les deux torsions. Allez. Toi aussi, t'as des bons pecs. Ouais, ouais. Ouais, toi aussi. C'est maintenant. C'est fait tout frais, ouais. Ouais, elle est mignonne. Shampooing deux fois par semaine. À tout moment, je te confonds avec une meuf, Mike, et je craque. Avec tes bons cheveux comme ça. Ton gros fessier, là. Tu fais comme une meuf. Bon, les gars, on est retour dans le Solid Gym. On a quelques plans à faire sur la vidéo. C'était challenge 10 tonnes. Du coup, on est revenu au matin. On arrive en retard, hein, comme d'hab, la FF. Jamais professionnel. Hein. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Non. On sait qui s'est levé en premier. Donc on va vous faire ça, les gars, carré la vidéo. Il rend beau gosse. Il a fait que. Il rend beau gosse, t'aimes bien?
Mais il fait que flex. Pas chez Samsung. À chaque fois qu'on allume la cam, il flex avec ses muscles. Il fait que ça, à il chaque fois. Trop. Chaque fois. Il faut être narcissique, les garçons. Vous savez ce que je vais vous dire pour votre outro? Je vais le dire, ça va servir à tous ceux qui peut-être manquent de confiance en eux. Les gars, le mot narcissique, il a été inventé par un mec qui voulait que les autres échouent socialement. Aime-toi et le monde t'aimera. Solide scientifique. Ça y est, ça devient philosophique sur FF maintenant. Solide philosophique, c'est ça. Il fait tarpé chaud, vous avez capté? Il fait super chaud. Il fait chaud aussi. On a vu, il y a de l'espace chez toi, je pense qu'on va prendre une petite chambre. Ah voilà, alors du coup, on va aller se faire déposer au parc pour rejoindre Thomas. Mike, il nous a arrangé une petite rencontre. Et ouais, c'était pas prévu, les gars. C'était pas prévu du tout. Petite surprise, vous pouvez dire un grand merci à Mike. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller checker sa chaîne, il y a du contenu, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, grâce à lui, vidéo avec Thomas Ranieri, les gars. Cliquez là, normalement, et vous pouvez voir ça. Voilà. Et encore merci à Mike, très très accueillant. De rien, les gars. Franchement très très accueillant. Merci. Je me suis régalé. En plus c'est plus beau en vrai que la télé. Ouais c'est vrai. Très sexy. J'ai pas arrêté de me chauffer après il me dit que je suis narcissique, tu vois. C'est normal que je prenne la confiance. C'est à cause de nous qu'il est maintenant. Filme devant. Filme devant. Filmez devant. Ouais. Tu vas faire quoi espèce de. Ah fais merde, une voiture. Deux fais pas du deux roues. Non, il veut faire le mec bizarre. Les Marseillais. Ouais, je voulais faire du deux roues, mais. Quoi? Ah là je voulais faire du deux roues, ça se dit pas. Ah la conduite des Marseillais c'est quelque chose hein. Voilà, c'est là, il va vous rejoindre là. Lourd. Vous voyez là ? On va pouvoir se promener un peu. Ne prenez pas trop à côté de ce stade, ils vont vous raqueter. Mais... Pour de vrai ? Ouais. Non, c'est pas vrai, je rigole. C'est cause totale. Il est chiant, ouais. Mais j'y ai cru, j'y ai cru. C'était Fitness Fusion. Voilà, de la FF. Vous étiez en présence de. Celui de Mike 3. Sur Twitch, sur une Mike 3, sur Twitch. On est en live avec Pimus là en ce moment où la vidéo. On a mine d'or. Voilà, on est obligé maintenant d'être en live avec toi. On va faire un live Counter-Strike, à chaque fois qu'il meurt, il fait des pompes, frère. Bon, et Didio. Et Pimus, fort. Et fun. Et fun. Et fitness. Et non, attends. On est là pour faire des fusions. Ça, c'est un intro. Salut les guerriers, donc partie 2 du vlog, il est pas au courant, une partie 2. On continue, mais cette fois-ci, c'est qu'on va voir Thomas Ranieri. Il veut de la YouTube money, il m'a dit. Les frères, il faut rentabiliser. On fait 10 épisodes sur notre vlog à Marseille. Vous avez l'habitude, on a été voir Maître Cal, on a rentabilisé, il faut rentabiliser. Mais ça y est, on part demain. Frère, il faut rentabiliser, on va vlogger tout. Après, peut-être que ça va être intéressant pour vous, vous allez peut-être voir d'autres choses. Thomas Ranieri, vous le connaissez peut-être pas. Donc là, il va arriver, il nous a donné rendez-vous à 14h30 au Parc de Street. J'aimerais bien l'analyser, lui, parce qu'il est suspect. Ouais, il est costaud. Hein. Et il fait du coaching, là il y avait un coaching à 11h, donc c'est un vrai coach diplômé, je crois qu'il a un master stats, donc mieux diplômé que moi. Moi j'ai ma licence, il a son master, il a été loin de la respectable. Donc on va aller voir ce qu'il peut nous apporter, surtout au niveau du street workout. Au niveau du sexe. C'est ce qu'on va faire avec lui les gars. On a rejoint Thomas. Non les gars, on a rejoint Thomas. C'était pas prévu, mais nous on était pas au courant, on n'était pas venu pour ça à la base. Bon, on vous a ramené quelqu'un, il est là-bas. Bon, il est en préparation avant tournage. Il fait... Vous allez voir qui c'est, il va savoir. Il s'allège. Vous avez vu. Là il est en préparation. Je crois qu'il vit des produits peut-être. Possible. Peut-être que c'est un gars comme ça. Possible. Sur FF, on est là pour analyser, on va voir ça. Fitness Fusion, portier. J'ai pas une Hanouna. Non, pas rien. T'es sûr? J'ai un Cyril Hanouna. J'ai un Cyril Hanouna. Ouais. On le voit bientôt, les gars. Bon, voilà, les gars, on a fini le petit training avec Thomas Ranieri. À chaque fois, je veux l'appeler Ranieri. C'est comme si je t'appelais Aurélia. Ouais. Tu vois, ça se fait pas. Moi, franchement, c'était lourd. Et on est surpris d'une chose, c'est les Marseillais. Les Marseillais, l'accueil est incroyable. C'est un truc de fou. Même les Uber, tu vois, les super mecs qui nous prennent en voiture, ils sont là, ils sont avenants, ils sont souriants, ils veulent parler avec toi, ils veulent savoir ce que tu fais et tout. C'est pas la même mentalité que dans le Nord. Rien à voir. C'est dommage. Hein. Franchement, ça m'a surpris. Mike, il nous a reçus comme des chefs. Thomas, il est arrivé, on connaît pas. On en connaît soi, pas. Ouais, Thomas, comment ça s'est passé, les gars? C'est que on devait voir Mike du mercredi, on l'a vu mardi. Du coup, du mercredi, on était sans rien, on savait pas trop quoi libre. Faire et tout. Bah nous, on allait se promener, on allait gérer notre temps. Mike, il nous a dit, bah il y a Thomas, allez voir Thomas. On a dit, bah allez, pourquoi pas. Ouais. Et voilà, ça s'est fait. Donc on est arrivé, on a vu Thomas, on s'était jamais parlé et tout. Même pas sur Instagram. Rien. On a fait la vidéo, ça s'est super bien comme passé. Comme si on le connaissait depuis je sais pas combien de temps. Et en plus, je vois Pimous, il suivait pas trop ces vidéos. Je lui dis, Thomas, c'est un gars sérieux et tout. En gros, il dit pas trop de bah oui.
Il est encore plus, il est fou, il est encore plus fou que nous, les gars. Il est encore plus fou que nous. Ça voulait toucher des zizi et tout. Je l'ai vu, il était chaud. Il commençait à chauffer les deux. Je vais décrocher le micro, il me dit, ah, tu peux me toucher, vas-y. Faut pas me chauffer. Puis Moussa, il a bien aimé. Donc il va avoir d'autres projets, je pense, avec les Marseillais. Hein. On va faire la petite connexion là, Nord-Marseille. De toute façon, on va revenir cet été, on revient à Marseille. Pour d'autres projets violents. Ah, c'est lourd. Ça va être la violence. Mais franchement, ça fait plaisir de se dire. Là, on a l'impression en fait de faire partie du truc. On dirait on est dedans. Du feed game et tout. Nous, on était comme vous, on regardait les youtubeurs et tout. Ouais. Et on s'est dit, bah, on a un bon niveau en muscu, on a envie d'essayer, on a envie de voir ce que ça donne et tout. Et là, on fait des vidéos avec eux et tout. C'est n'importe quoi, tu vois. C'est beau ce qui nous arrive. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Solide. Même lui, il réalisait pas jusqu'à ce que je lui réexplique. Je dirais, on a fait ça. Il m'a dit, c'est vrai, je réalise pas. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a fait les vidéos, mais en fait, ils nous ont mis tellement en avant sur leurs vidéos, ils étaient pas obligés de le faire. Vous voyez, on a fait des feats avec des gens. Ils vont pas insister sur aller vous abonner sur leur chaîne, ils font du bon contenu et tout. C'est juste on est sur leur vidéo, tu vois. Voilà. C'est tout. Ou des fois juste on va faire des feats, on fait que des feats pour notre chaîne, tu vois. Là c'est passé avec Thomas, mais c'est parce que c'était pas prévu. Mais là Mike, allez venez on fait une vidéo pour ma chaîne. Brutus, allez venez on fait une vidéo sur ma chaîne. Allez vous abonner. Ouais. Ils nous donnent de la force. Ils donnent de la force de fou. Et d'ailleurs Brutus on en a pas parlé les gars, mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment il est pas foutage de gueule. Il est pas humain les gars. C'est foutage de gueule, c'est n'importe quoi. Mais je suis tellement content d'avoir donné ça aux abonnés, la rencontre Pimous face à Brutus les gars. Faut vous rendre compte qu'on est les deux mecs les plus puissants du feed game. Pour l'instant je garde mon trône. On les a mis sur FM. Yes. Ouais, mais il t'a carré quand même son. Il va me défourailler quand il... Là dans un mois il me fume, je le sais. Il l'a dit que je l'ai piqué dans son ego là, c'est fini. Et comme je disais, moi je suivais pas trop les vidéos de Brutus et tout. Je me suis dit, ok, il pousse lourd, il est grand et tout, il doit être gras. Oui, il a enlevé son t-shirt, il est sec, il a les veines sur les abdos et tout, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment il fait, je sais pas ce qu'il mange, je sais pas ce que sa mère lui a donné quand il était bébé. Je sais pas quelle potion magique il est tombé dedans, mais... Faut les analyser ces petits Marseillais parce qu'ils sont tous musclés, c'est bizarre. C'est pas le soleil qui fait ça, non. Je suis désolé. Ça doit être, il y a un truc dans la pollution qui augmente la testo ou... Je sais pas. Faut analyser, on va faire du dopé. Ah non, c'est peut-être à cause du Mistral qu'on s'est tapé. Commence pas à me caresser. Si, j'aime bien. Genre le Mistral, je pense quand il vient le vent, il emmène quelques hormones avec, tu vois. Ouais, et quand tu respires, ça va 3 jours de Mistral, on a pris, on va exploser en rentrant. On va rentrer les gars, là ils nous ont quand même motivé. Solid Mike les gars, Solid Mike, on va reparler. J'ai pris une grosse claque. Le physique du Fit Game. Là on a vu Bazinga, on a vu les doubles dragons et Marvel. Tout. Actuellement Solid Mike, il a le meilleur. C'est lui qui nous a le plus impressionné. Du Fit Game. Il est plus esthétique que nous, il est plus massif que nous. Enfin pas plus massif que Pimous, mais plus sec. Il rend mieux les gars, arrêtez de sous-estimer Solid Mike. De sous-côté comme pour ça. Pour l'instant c'est le top. Pour l'instant moi de ce que j'ai vu, il fume tout le monde pour l'instant. Il fume tout le monde. Après pas Joe à son top niveau dans non, le ouais, dragon, mais actuellement si on devait actuellement, mettre un top 1, c'est Solid Mike. Mais les gars, là vous êtes sur FF, nous on se doit d'être à la hauteur, on va revenir cet été, on va tout casser, d'accord. Mais puis moi, si t'as des produits pour cet été. Ouais. Ok, on va revenir, on va tout casser. Par contre il y a un truc qu'il faut aussi dire, c'est que on pourra jamais vraiment se comparer nous physiquement par exemple à un Solid Mike ou un Brutus. La taille, je me rendais pas compte, ça joue énormément sur l'envergure et le physique. Ils font tout de suite plus impressionnant. C'est un truc de fou. En vrai on était ridicule à côté des 2 mètres de Brutus, des 1,90 de Mike. Genre Brutus, enfin, c'est n'importe quoi. T'as beau être plus large que lui, ce que tu veux, il est tellement plus grand que il te mange. Ah non, c'est trop. Il te mange. Il mange des enfants au petit. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, mais il apprend chez les humains, gros. Il mange des enfants. C'est grave. N'importe quoi. Très content. Et je suis très très fatigué de ce séjour. Ouais. Le truc, c'est, vous le savez peut-être pas, je sais pas si on vous l'avait dit, mais on a affronté 2 abonnés du lundi, du mardi, on a fait les training games, Brutus et Solid Mike, et aujourd'hui on a vu Ranieri. On est KO les gars, on est KO. YouTube c'est un vrai métier, hein, faut pas le croire. Mais en tout cas, ça fait plaisir de partager ça avec vous et ça fait plaisir d'y être, de commencer à sentir que on rentre. On commence à toucher du doigt, tu vois. Quand on était parti voir Maître Carl, on avait dit on a un pied dans le feed game. Là, je pense que le deuxième il est en train de rentrer. Non, moi je pense que c'est la jambe elle rentre là. Ah, tu vois, c'est la jambe elle commence à rentrer. Vivement que le zizi soit dedans. Ouais, j'ai hâte. Il y a que ça que je veux qu'il rentre. Il y a des bonnes choses qui arrivent sur Fitness Fusion. Ouais. Je sais pas si. Des gros projets qui arrivent. Bon, en tout cas, activez la cloche, abonnez-vous, lâchez le pouce bleu aussi les gars si c'est pas encore déjà fait. On a besoin de vous pour monter encore. On monte bien en ce moment, faut que ça dure. Donnez-vous de la force. Voilà, commentez, même si vous savez pas quoi mettre, vous mettez FF, on croit en vous. Didjo, t'as le meilleur physique du feed game, faut y croire. Didjo, t'as les meilleurs pères, faut y croire. Non, par contre, tu vas te calmer, tu vas me laisser Didjo, les pères. Didjo, parlez que de moi en commentaire, ça fait du bien. Allez, gars, je rigole. Dites-lui que ça fait de nouveau qu'il fasse quelque chose.
J'attends, ça, j'attends. S'il vous plaît. Il m'a dit au bout de 15 personnes, voilà, dans les commentaires, réveillez-vous. Moi, j'aime bien changer de coupe de cheveux. J'attends toujours qu'il y ait 15 personnes qui me disent c'est bidon. Mais vous ne me verrez jamais avec la même coupe de cheveux. Rappelle-toi la coupe portail 10. Oh non, elle était bien, celle-là. Elle était bien. J'étais tout chaud, les gars. Bon, les gars, c'était Fitness Fusion. Je sais pas si on doit le dire ou c'est. De la FF, on peut le dire, c'est la fin du vlog. Vous étiez en présence de Pimous et DJ Force et Fun.